Là, on y est. Le numéro 7, donc Fait Maison, retrouve un grand étalon européen. Il s'agit de Saint des Saints, dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'était l'eau inaugurée qui a ouvert le bal, qui était déjà par Saint des Saints. Et la mer, c'est une belle histoire. Donc Fait Maison, une pouliche présentée par Laura de Saint-Voir, Nicolas de Dagenet, ici accompagné de sa fille. Sinon, on peut marcher, on la reposera après, c'est pas grave. Ça va la détendre un peu. Là, on est bien. Donc, la mère est par Epalo et Ability, la grand-mère est par Olmeto. C'est-à-dire que la mère, une belle histoire, n'est autre que la demi-sœur. On va marcher. Marchons. Plutôt éloigné du public, plutôt de l'autre côté, milieu, c'est plus facile pour le public d'apprécier le modèle des chevaux. Puisque là, du coup, il y a du recul et puis ça permet de ne pas écraser le cadreur au passage. Donc, la mère, une belle histoire, et la sœur. Demi-sœur cadette de 3 ans d'un grand champion, Vendôme Grâce, invaincu en part, dont le prix Jacques de Vienne, le derby, le jockey club des AQPA, dirons-nous, et puis vainqueur de 4 courses en obstacle, notamment le prix Alain Dubreuil, cheval qui est malheureusement mort au champ d'honneur, Vendôme Grâce, grand champion. Et donc nous avons ici la nièce par Saint-Dessin d'un champion gagnant le groupe 1, Vendôme Grâce. Je précise et je rappelle qu'il est extrêmement difficile, on va pouvoir aller au trot désormais, extrêmement difficile de gagner un groupe 1 à Auteuil, parce qu'il n'y a que 9 groupes 1, qui sont tous à Auteuil d'ailleurs, 9 groupes 1 seulement au programme français. Cela à comparer aux 27 groupes 1 qui sont au programme anglais, c'est une grande différence. 9 groupes 1 seulement donc, un pour les 3 ans comme CRS sur les haies, 4 pour les chevaux de 4 ans, en haie en stiple au printemps, en haie en stiple à l'automne, et puis 4